3, 1, 2, 3, 4. En fait, tient beaucoup. Cette sonate, il faut que... Oui, bien sûr, elle est transitionnelle dans le sens où les phrases s'allongent. Et malgré tout, les articulations sont courtes. Ouais. Tu vois, et donc, et en même temps, il faut que la petite rythmique soit très... très... un petit peu corsé dans le grave, tu vois, donc il faut lui trouver pas de puissance mais quelque chose qui soit vraiment parlant de do, parce que sinon tu vas te laisser bouffer par le grave. Oui, je suis très attaché à Flaine, je viens depuis 10 ans, et pourquoi j'y suis là attaché, quelque part c'est un petit peu indéfinissable, mais c'est quelque chose d'unique. On ne peut rencontrer ça nulle part ailleurs, en fait. C'est-à-dire à savoir une belle synergie entre des personnes. Certains se connaissent depuis des années déjà, d'autres arrivent. Et la musique, on va dire, fait le reste. La beauté du lieu aussi. La présence de Catherine qui est si précieuse. Et pour définir cette académie, je dirais que c'est comme une pierre précieuse qui, tous les ans, scintille de façon différente, avec des couleurs différentes, mais avec toujours le sentiment de cette belle transparence, je dirais, et puis en même temps de quelque chose qu'on porte dans son cœur un petit peu toute l'année. Donc quand on se quitte à la fin d'une académie, on se revoit l'année d'après, et c'est extraordinaire de voir à quel point c'est comme si on s'y était quitté ou la veille, ou bien que toutes les choses en même temps sont fragiles, et en même temps sont tellement fortes. Voilà, c'est ce qui fait peut-être la beauté de cette académie, c'est la fragilité, la force et l'attention de Catherine à cette jeunesse, qui est quand même très belle, et qui vient de l'étranger, qui est internationale, et qui est vraiment tellement nourrie de belles choses, et donc ça nous rassure un peu pour l'avenir, qui nous paraît incertain, mais voilà, c'est un message d'espoir, peut-être Flaine, tout simplement. Thank you.